Alors aujourd'hui, nous intervenons sur cette Audi A3 TDI 1,9 litre. Donc, qui affiche combien? Allez. Ah, on a quelques petits voyants, mais rien de méchant. En tout cas, pas de voyant moteur. Ça, c'est déjà bien. Et il a 298 000 km, donc 300 000. Bon, bah, c'est encore en rodage là-dessus. Donc, on est parti pour faire un décalaminage qui va lui faire que du bien. En même temps, ça va reprendre des performances d'origine et puis surtout baisser les consommations de carburant. Voilà, donc on va aller chercher la valise diagnostique pour faire un check-up afin de voir s'il y a éventuellement des anomalies de fonctionnement et qui ne seraient pas encore affichées au tableau de bord. Alors, on va faire un diagnostic de la voiture. Donc, c'est un moteur BLS. Tac, et en fait, il nous recherche. Voilà, donc on voit que l'alternateur il fournit presque 14 volts ici en haut, donc ça fonctionne, on est à 6% de recherche des pannes. On a déjà deux problèmes au niveau du moteur. Bon bah on va laisser travailler et avec un peu de chance ça va mieux se passer. Allez, zou. Alors au niveau du diagnostic, on a trois problèmes, donc des trucs tout ballots, pas super loin. Alors on a du calculateur de chauffage d'appoint, donc ça c'est parce que en fait ça doit être la résistance de chauffage qui délire. Si on vient ici, il va nous marquer résistance de chauffage. C'est un peu la maladie chez les Audi de toute façon. Voilà, résistance de chauffage d'appoint. Donc ça c'est tant qu'il y a du chauffage, pas la peine de changer. Centrale électrique, on va voir ce qui se passe. Et là on va savoir à peu près. Tac. Détecteur de pluie de luminosité non plausible, donc en fait le pare-brise a été changé et il a été mal configuré. Ici en fait, là vous avez le capteur de pluie suite au remplacement du pare-brise. Voilà, bah, sinon tout le reste c'est tout bon. On va finir le décalaminage, on va faire les sessions d'accélération et le client pourra repartir. Allez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt.